Donc bienvenue en Martinique, on est sur le spot de Cap Chevalier, donc dans le sud de la Martinique. Donc je me présente, Yves Rilos, je pratique le kitesurf, j'en ai pratiqué en compétition, j'en fais encore un peu. Donc là on est sur le Cap Chevalier, où je vous propose en fait des prestations de type cours de kite avec la société Vadin Kite que j'ai montée très récemment. Donc en gros, Vadin Kite c'est quoi? Vadin Kite c'est une école de kitesurf, également un shop et un centre test Liquid Force. Là on vient d'effectuer l'exercice de la lâche ratée. Donc voilà en fait, là on a les planches de la marque Liquid Force, les planches de débutants. Constater ici. Donc ces planches là, ce sont les planches les plus grandes. Elles ont en fait, elles flottent beaucoup. Donc ce qui permet en fait de tolérer toutes les erreurs du débutant. Après, on a des planches intermédiaires. Celle-ci fait 131 de longueur, celle-ci fait 61. 131 de longueur, celle-là. 131 de longueur, voilà. Ok. De longueur. On a les straps juste ici. Entrer les pieds. L'avantage avec la marque Liquid Force, c'est qu'on fait du 2 en 1, c'est à dire que comme c'est une marque de wake également, on peut prendre sa planche de kite et faire du wake avec en mettant juste ici les chausses. Donc les straps qui sont ici sont démontables et on peut mettre ses choses quand il n'y a pas de vent par exemple, ben on prend rendez-vous avec des amis et on peut aller faire du wake ensemble, tranquille. Également des ailes de kite qui seront déployées sur la plage plus tard. Voilà, des ailes Liquid Force de différentes tailles. Les accessoires, harnais, pompe qui est juste ici, donc qui sont vendus en fait avec les ailes. Donc, en fait, j'ai réfléchi sur un système en fait pour montrer aux élèves comment matérialiser le développement, le déplacement du moins du cerf-volant sur la fenêtre de vol. Ce que j'appelle la fenêtre de vol, elle est représentée par la calebasse. Ici. Donc c'est une représentation 3D, petite maquette. Donc nous ce qu'on va faire au départ, on va utiliser la bordure de fenêtre qui est matérialisée en bleu ici, qu'on va diviser en deux en fait. Ce sera un cadran horaire qui va de 9h à 15h et bien sûr au milieu midi, c'est le point du zénith où on est en sécurité. D'ailleurs dans toute la bordure de fenêtre nous sommes en sécurité. À l'intérieur de cette fenêtre, le cerf-volant pourra également se déplacer. Vadin Kite, c'est aussi les chapeaux bacois. J'avais déjà avant ça. Donc voilà, ils sont cousus en crin. Vous pouvez le constater, c'est très solide, ça va dans l'eau. Et voilà. On voit aussi des paires de lunettes. Mundaka. Vous voyez juste ici, paire de lunettes Mundaka. Très solide, des verres polarisés. Donc conçus en fait pour résister aux UV. À des prix intéressants. Voilà, contactez nous 06 96 94 01 39. Yes. Rise and take your stance again. He who fights and runs.